On connaît maintenant les prétendants aux Oscars et le film québécois Invincible, court-métrage du réalisateur Vincent René Lortie, a été nommé dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction. Le réalisateur est avec nous. Bonjour. 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 Ben, félicitations d'abord. Comment on se sent? Comment on accueille ça? Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment à vivre mes émotions parce que on avait déjà beaucoup de difficultés à y croire. Tu sais, c'est gros les Oscars, on regarde ça quand on est enfant, donc ça semble toujours très loin. Donc j'arrive pas à y croire. J'arrive tout simplement pas à y croire. C'est un rêve pour vous qui devient réalité. Exactement, c'est sûr. Comme je viens de mentionner, c'est les Oscars. J'ai toujours regardé ça depuis que je suis tout jeune. On voit les grandes célébrités, les grandes vedettes, les grands réalisateurs, réalisatrices monter sur cette scène depuis qu'on est tout jeune, puis recevoir ce trophée-là qui est comme toujours un peu, qui a toujours été un peu emblématique pour nous. Fait que c'est un peu un rêve, là, c'est un rêve d'avoir reçu cette nomination-là ce matin. Le film avait déjà remporté plusieurs prix qui ont pavé la voie à cette nomination aux Oscars. C'est un film qui traite de santé mentale, qui a trouvé écho un peu partout à l'international. Est-ce que c'est le sujet du film principalement qui, vous pensez, vous a valu, entre autres, cette nomination? Je crois que oui. C'est sûr que le sujet traite d'une histoire vraie, d'une histoire de celle de mon ami d'enfance qui est Marc-Antoine, qui est décédé lorsqu'il avait 14 ans. Ça traite d'un jeune qui a eu beaucoup de difficultés, qui sentait qu'il était un peu étouffé dans le monde dans lequel il vivait. Il sentait qu'il était peut-être pas entendu comme il voulait. Bref, je pense que ça a été quelqu'un qui a vécu beaucoup de difficultés à son âge. Puis, bon, le film a été pour moi un moyen de me reconnecter avec lui, de me rapprocher de lui, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui était vraiment arrivé, parce que moi aussi, j'étais jeune à l'époque. Donc, ouais, je crois que beaucoup du succès vient des thèmes du film. J'ose croire aussi que c'est aussi grâce à tout ce qu'on, à comment on a décidé de raconter cette histoire-là aussi. Là. Est-ce que c'est votre premier film? Ouais, il s'agit de mon premier film, court-métrage narratif. Au cours des dernières années, j'ai fait beaucoup de vidéoclips, de films d'art, mais films plus expérimentaux. Mais oui, il s'agit vraiment de mon premier film narratif. Mais quand même, une nomination aux Oscars pour un premier film, ça se prend bien. Oui, c'est sûr que c'est sûr que honnêtement, j'arrive juste pas à y croire. Là. On était tous en groupe ce matin à regarder les nominations. On était peut-être une dizaine à se filmer, parce qu'il faut filmer nos réactions. Puis je peux vous dire que j'ai jamais crié aussi fort quand on a vu notre nom apparaître. Clairement. Et là, la prochaine étape, ça va être d'attendre, effectivement, si votre film va remporter lors de la cérémonie le 10 mars. Beaucoup de fébrilité, j'imagine. Est-ce que vous avez d'autres projets par la suite, des films en travail présentement, en cours? Bien, c'est sûr que même juste, je crois que les prochaines semaines vont être beaucoup de travail. On fait juste pour aller à Los Angeles et on a beaucoup de rencontres déjà de planifier, des présentations du film. Donc, je crois quasiment les deux prochains mois vont être encore pour Invincible. Puis ensuite, oui, ça fait déjà un an que je développe mon premier long métrage narratif. On est en écriture. C'est un film que je coécris avec une amie qui s'appelle Clara Milo. Donc, c'est vraiment mon prochain projet de cœur, le projet qui m'empêche de dormir la nuit parce que j'y pense beaucoup. Donc, j'ai hâte de recommencer à travailler sur ce film-là. Évidemment, c'est beaucoup de travail, tout ça. Il y a toute une équipe derrière cette nomination-là. Ouais. Donc, je sais que vous avez remercié, entre autres, l'équipe, les gens aussi qui vous ont soutenu, qui vous ont accompagné là, pendant la réalisation de ce film-là. Ouais, exact. C'est sûr que comme je vous ai mentionné, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, tu sais, la famille, les amis m'ont beaucoup accompagné dans tout ce film-là. Puis ensuite, c'est un film. Hein. On est une énorme équipe qui a travaillé sur ce film-là. Puis juste au cours des dernières semaines, des derniers mois, pour la campagne, pour les Oscars, moi, j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout, c'est-à-dire un monde de campagne pour les Oscars. On avait un publiciste à Los Angeles, à Londres. On avait l'équipe de distribution ici, de production. On était quasiment une dizaine à juste travailler sur Invincible, notre court-métrage. Donc, c'était beau à voir. T'sais. Puis c'est sûr, ça amène beaucoup d'anticipation, beaucoup de... C'est beau à voir.
Bien, félicitations encore une fois. On rappelle que votre film Invincible est en nomination dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction. Ça vient d'être annoncé. On vous laisse redescendre tranquillement, peut-être pas tout de suite de votre nuage. Profitez, puis bonne chance pour la suite, pour le 10 mars. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.